بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، mes frères et sœurs، أبنائي بناتي، mes fils et mes filles، أعدائي عدواتي، mes ennemis et mes ennemis، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel amour celui qu'on éprouve envers l'autre en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde l'amour en lui. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam parce qu'ils le refusent, parce qu'ils ne le veulent toujours pas, parce qu'ils ne l'ont pas encore compris, qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guidée islamique par amour pour vous, par une affection grande pour vous. Je vous demande de vous déployer sincèrement et honnêtement et vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez rencontrer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez rencontrer le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez rencontrer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez vous rencontrer. Qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guidée islamique. Comme vous savez tous, le musulman, tous les jours, dans son lien intime envers Allah et avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans son lien avec Allah, dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il répète minimum, au minimum, le strict minimum, 17 fois par jour, surat al-Fatiha, dans ses prières. Et il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Maître du jour de la rétribution. Chacun de nous a connu des moments de sa vie, et peut-être il est encore en train de les connaître, où il dit des paroles, il ne voit pas de résultats, il ne voit pas de foi, il ne voit pas d'islam en lui, il ne voit pas d'élévation, il ne voit pas le début du chemin de la crainte révérentielle, la'allakum tattaqoun, il ne voit pas le début de l'ihsan, il vit dans l'affliction et dans la tristesse et dans les chagrins et dans les dépressions et dans les problèmes. Il se sent très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sent que ses actes sont vides, ses actes cultuels sont vides. Bismillah, rendez-vous avec le début du cheminement. Bismillah, commence à analyser. Maliki yawmiddin. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé l'infini, infini, infini, harmonie de la création, ne peut pas te demander de faire des choses par hasard, ne peut pas te demander de faire des choses s'il ne sait pas que ces choses-là sont ce qu'il te faut à la perfection. Qu'est-ce qu'il faut à ton âme? Bismillah. Allah te demande de répéter au moins 17 fois par jour, au minimum 17 fois par jour, Maliki Yawmiddin, dans le cadre de la Fatiha. Maliki Yawmiddin. Je te le dis en français. Maître du jour de la rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki Yawmiddin. Donc il te demande de t'adresser à lui en répétant qu'il est celui qui possède, celui qui est le maître du jour de la rétribution, le jour des comptes. Donc, Raqib, celui qui observe chaque moment, chaque instant de ta vie, chaque pensée, chaque pulsion de la pensée, chaque mouvement, te demande de t'intégrer dans un lien, dans une relation de celui qui voit ce que tu fais, celui qui te demandera des comptes. Tu peux mentir à toute l'humanité, mais tu ne peux pas lui mentir à lui. Tu ne peux pas mentir à lui. Tu ne peux pas croire et penser qu'il va lui avoir un moment de distraction, un moment d'oubli, un moment où il ne voit pas ce que tu fais. Donc imagine
Si tu médites sur cette parole, lui qu'il te demande 17 fois minimum par jour, c'est peut-être et c'est sûrement parce qu'il faut que tu commences un jour ou l'autre à méditer parfaitement et profondément et entièrement et totalement sur ce que tu dis. Tu as appris cette sourate depuis l'enfance. Tout petit, tu l'as appris, tu l'as répété. Non, on nous a appris tellement de choses. Et on répète tellement de choses. Mais est-ce qu'un jour on s'est assis pour méditer nous-mêmes sur ces choses? Pas dans le cadre d'un diplôme, pas dans le cadre d'avoir une science. Cette science-là, si elle ne te sert pas à toi, dans ton cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala, elle ne te sert pas à grand-chose, mon frère. Donc si tu veux enfin rencontrer l'esprit du Coran, si tu veux enfin cheminer vers Allah, cheminer vers la piété révérentielle, médite. Celui, le maître du jour des comptes, celui qui va te demander des comptes, celui à qui tu t'adresses, celui de qui tu attends l'agrément et la satisfaction, celui qui t'observe dans ta relation avec lui-même, celui qui t'observe et qui te demandera des comptes dans ta relation avec toi-même, celui qui te demandera des comptes dans ta relation avec l'autre. Avec les autres, Malik Yawmiddin, nous, on ne cesse de demander des comptes aux autres. On s'est placé à la place d'Allah. On passe notre vie à juger les autres. On passe notre vie à regarder les autres d'une manière hautaine, d'une manière orgueilleuse, d'une manière pleine de vanité. On leur demande des comptes à chaque instant. On ne rate rien. On amplifie leur erreur. On leur fait la honte, on leur fait les scandales, on n'arrête pas de demander des comptes à tout le monde. C'est même aujourd'hui un sport national et international. On critique tout ce qui bouge, on n'arrête pas de voir le défaut chez l'autre, on n'arrête pas d'amplifier les choses. Et on oublie, subhanallah, on oublie malheureusement pour nous, on oublie, wala hawla wala quwwata illa billah, qu'Allah nous demandera des comptes. Plus tu es dans cette relation, où tu sais, dans ce cheminement, dans ce voyage, dans cet état d'être et cet état d'esprit, dans cette hygiène de vie, où tu sais que lui, Allah, ton Seigneur, va te demander des comptes, plus Wallahi, tu laisseras l'univers tranquille, tu laisseras les humains tranquilles, et tu commenceras à demander des comptes à toi-même, comme te dit Omar ibn al-Khattab. Comme te demande le Coran avant Omar ibn al-Khattab, comme te demande le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'esprit coranique, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Demandez des comptes à vous-même avant qu'on vous demande des comptes. Si tu t'installes dans ce cheminement-là, à défaut d'apporter le bonheur et le khayr et le bien aux autres, tu ne leur apporteras plus des jugements. Tu ne les attaqueras plus, tu ne les rabaisseras plus, tu ne les dénigreras plus, tu ne verras pas le mal en eux. Tu essaieras à chaque fois de les élever, de les aider. Juge-toi, na'am. Demande des comptes à toi-même, na'am. Observe Allah subhanahu wa ta'ala, raqib, le vigilant qui t'observe dans ta relation avec l'autre. Plus tu as ce lien avec Malik Yawmiddin, plus tu sentiras l'élévation. Plus tu t'accroches à ce type de parole, à la parole d'Allah, et que ce n'est pas par hasard qu'il te demande de répéter ça 17 fois par jour, c'est pour que tu t'installes une fois pour toutes dans le Coran. C'est pour que tu commences à le voir descendre, comme les Sahaba l'ont vu descendre. Pour que tu commences à méditer dessus, comme les Sahaba passaient des nuits entières avec un seul verset. Pour que tu commences à l'intégrer dans ta vie. Naam. Pour que tu commences à écouter Allah te parler. Tu écoutes tout le monde. Tous ceux qui parlent, tu les écoutes. Non, mais tu n'écoutes pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas encore voulu l'écouter. Maintenant, tu entames et tu veux aller vers la taqwa. La'allakum tattaqoun. Aller vers le nafs al-mutma'inna. Aller vers la crainte d'Allah. Aller vers l'ihsan. Commence à méditer profondément. Commence à intégrer ces paroles en actes,
en esprit, en âme de ta vie, de ton comportement, de ton lien avec Allah, dans ton lien avec toi-même, dans ta relation avec les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.